J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Excusez pour l'éclairage du moment. Mais là, je suis en train de ramasser le linge sale que j'ai lancé dans les escaliers. On fait ça le soir et le matin parce qu'on est trop large pour aller en bas le soir, surtout. Après ça, oh mon Dieu! Après ça, ben, on met ça dans le bac à linge en bas. Fait que là, on est lundi matin, les enfants sont en train de manger. Bonjour! Les enfants sont en train de manger. Il est à peu près, il est 10h moins 10. Vous savez, plus tard. En fait, moi, je me suis réveillée, il était 7h30. J'ai attendu à 7h55 parce qu'il fallait que j'appelle à la clinique. Et j'aurais aimé ça avoir un rendez-vous aujourd'hui parce que Jasmin, il avait l'air à mal filer hier. Il avait l'air comme avoir mal à l'oreille. Fait que je me suis dit, je vais appeler la clinique. Aujourd'hui, pas avoir un rendez-vous. Aujourd'hui, mais vous savez à quel point, en tout cas. Si dans votre coin, c'est pas dur d'avoir un rendez-vous la journée même, là. Vous êtes chanceux. Parce que j'ai appelé 160 fois. 160 fois? Attends, je vais vous dire exactement. Allô? J'ai appelé 149 fois. Et finalement, c'est ça pour me faire dire que c'est plein aujourd'hui. Fait que de rappeler, rappeler demain matin parce que c'est pas mamie. C'est toi, maman, dans la caméra. Ben oui. Fait que, ouais, parce que faut que t'appelles. Voyons. Faut que t'appelles. Je m'excuse. Faut que t'appelles la journée même. Pour avoir un rendez-vous sans rendez-vous, là. Fait qu'aujourd'hui, c'était plein. Mais là, je me suis dit que Jasmin, il allait vraiment pas bien aujourd'hui. J'allais aller à l'urgence. Mais là, il va super bien. Moi, je crois que c'était la fatigue hier, là. Parce qu'on est allé chez mes grands-parents. Maman, un jus de pomme. Ah, merci. Je vais te donner un verre. T'en donneras un petit verre à ton frère. OK? Maman, j'ai fait un... bruit pour papa. Non, papa est au travail, il est pas là. Fait que, ce que je disais? C'est ça, ah oui, c'est son étage chez mes grands-parents hier. Il a fait aucune sieste, puis il savait lever vers... En tout cas, pour lui, c'est de bonne heure, là, vers genre 8h30 hier matin. Fait que... c'est ça. Hier soir, il filait vraiment pas bien, puis il avait l'air chaud, il avait l'air comme... à avoir mal ou quoi que ce soit, fait que je trouvais que son oreille était rouge, fait que je me suis dit c'est sûrement une otite. Mais ce matin, pour vrai, il va vraiment bien, puis je vais voir au courant de la journée, là, je vais l'envoyer à la garderie quand même, je vais avertir l'éducatrice là, que si jamais il y a quoi que ce soit, qu'elle m'appelle, mais il va vraiment bien, fait que si je vais surveiller son oreille et tout ça, je vais essayer de rappeler demain matin pour avoir un rendez-vous sans rendez-vous, mais... ça n'a aucun maudit bon sens. J'ai appelé 100. C'est quoi j'ai dit? 150 fois, genre? Ça n'a aucun bon sens. C'est quoi tu veux, bébé? Un pain. Un pain? Tu y es là, ton pain, Lolo? Dans ton assiette, le pain? J'ai plus faim. T'as plus faim? Une chance, je t'ai pas fait une grosse assiette comme tu voulais. Mais t'as me donné une grosse assiette. Ouais, j'ai une grosse assiette, mais avec presque rien dedans. Juste un... ben, presque rien à bien manger pareil. Fait que voilà. Fait qu'aujourd'hui, je vais un petit peu travailler de la maison. Je vais me tenir à l'affût de mon cellulaire. Cas où Jasmin finirait par mal aller, mais pour vrai, il va vraiment bien matin. Faut que j'aille au magasin. Je vais vous montrer mes achats. Et après ça, je vais revenir chez moi faire un petit peu de ménage. Et faire mon budget. Ce soir, j'ai un rendez-vous avec mon ami. Qui est. Voyons, c'est dommage. Il y a dommage de la merde là-dessus. Bon. J'ai rendez-vous avec mon ami parce que c'est elle, dans le fond, qui a ouvert notre ER, qui a. C'est avec elle qu'on a nos assurances et tout.
Fait que on veut mettre à jour notre situation. Puis après ça, ben on va aller se coucher. Parce que moi, rendu, notre rendez-vous est à 8h. Ce soir, rendu à cette heure-là, je suis déjà rendue dans mon lit. Je suis rendue cette personne-là à me coucher full de bonheur. Maman, on va enlever la bavette à sa semaine. Oui, ça sera pas long. Fait que là, je vous laisse. Je m'en vais. Le chocolat et ce... Habiller mes enfants. Ça, le matin, j'ai comme le cerveau, là. Ouh! Et je m'en vais habiller mes enfants. On va les emmener à la garderie. Je m'en vais au magasin. Ça va être rapide. Mais j'ai des petites choses à aller chercher seulement. Pour ça, je reviens à la maison. Je monte mes achats. Et pour ça, je fais du ménage, je travaille. Voilà. Et voilà, tata! Bon, fait que, on est de retour. Il fait sombre là-dedans. Je sais pas où ce que je pourrais vous mettre pour que vous soyez à la lumière. Ça va être ça. J'ai pas réfléchi à une autre place encore. Je suis allée chercher un bon smoothie ce matin. Ce matin, parce que il reste dans mon char, mais il fait un petit peu froid dehors. Mais il fait chaud dehors. Même s'il fait un peu froid, il fait chaud. Ça fait du bien. Il est 1h20. Ouais, je m'en suis. Je suis allée au Walmart. Après ça, je suis allée chez Walmart. Voyons, je suis allée amener mes enfants avant la garderie, puis Jasmine avait de la peine. J'avais de la peine. Là, j'ai dit à Lucie, qui est l'éducatrice de mes enfants, j'ai dit si jamais il n'y a vraiment rien à faire, appelle-moi, je vais venir le chercher, parce que ça me prend le cœur. Finalement, il est allé s'amuser, il a eu du plaisir. Mais ça me prenait le cœur. J'y ai resté un bon 20 minutes, puis je disais c'est correct, mon garçon. Puis je me sentais mère indigne de laisser à la garderie. Mais je sais qu'il y a du plaisir en allant là-bas, là. Je le sais, là. Mais c'est juste que c'est ça. Ça y est. Ce matin, il y avait moins envie, mais j'avais plusieurs choses à faire aujourd'hui, puis je voulais m'avancer, mais si jamais mon fils il aurait voulu que j'aille le rechercher, j'aurais été le rechercher, là, sans problème. J'ai eu des palpitations tantôt, en plein magasin. Ouh! J'ai filé mal. Ça m'arrive fréquemment, là, ben pas fréquemment, là, mais... Ça m'arrive, là, tu sais, d'avoir des palpitations, puis... Moi, je trouve ça bizarre parce qu'ils disent que c'est mon anxiété, sauf que il y a des fois que ça m'arrive, puis que je le sais que je suis anxieuse à ce moment-là. Sauf que là, et plusieurs autres fois, j'étais vraiment... je sais pas, très normale, là. Je me sentais zéro anxieuse, là. Fait que c'est bizarre. Mais ça me fait ça des fois, j'ai des palpitations, puis là, ça... Faut que je respire, pis ci, pis ça. Oh. Voilà. Fait que je vais vous montrer mes achats. Par quoi je commence? La commande que je viens de recevoir ou mes achats? Mes achats. Ça va être un gros haul, les amis, parce que... Il y a beaucoup de choses que j'ai achetées. Vous allez dire, ah, qu'elle exagère. Je sais que j'exagère. Je le sais, mais... Ça fait partie de moi. Un bain que je suis allée au Tim Hortons. Puis finalement, je me suis pris un bain. Je sais pas pourquoi. Puis je me suis pris un lait au chocolat. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai zéro envie d'avoir ça. Bon. Fait que ça, c'est rangé. Il y a une odeur dans mon frigo, là. Je comprends pas. Bon, ça, c'est gossant. Je pense que je vais mettre une chaise. Ah ouais, de même. Vu que le sac est gros, ça va être plus... plus cool. Ah! C'est chez Dolo. J'avais oublié de dire que j'étais allée chez Dolo. C'était comme une révélation. Hein? J'étais allée chez Dolo. Bref, j'ai pris des petits gants magiques à ma fille. Oh. On voit pas bien. Ok, ouais, on voit bien. Des petits gants magiques à ma fille. J'ai pris des petits gants à mon fils. Ils sont. On les voit pas tant, là. Ils sont gris foncé, mais les autres sont juste, c'est comme ça, là. Lui, il met des doigts dans des enfants de même, là. Pas évident. Je choisis mes batailles, disons. Ensuite, j'ai pris ça. x2. C'est comme tu grattes ça là, avec une affaire en bois. Là. Ça fait des dessins là, de couleurs. Et j'ai pris ça. Je sais pas si ça va être à Clara et à Jasmine. Ouais, ça va être à Clara et à Jasmine, probablement. Là, parce que vous allez voir là, pourquoi j'hésite. J'ai beaucoup de choses. Ensuite de ça, j'ai pris des petits cœurs. Ça, je vais en mettre
dans la maison. Fait comme ça, Clara va se réveiller mercredi matin, puis elle va être full excitée. Jasmine aussi. J'ai pris ça ici. Je vais vous montrer à quoi ça va servir. J'ai pris ça ici aussi chez Dolo. J'ai pris ça à ma fille, à la barre. Ensuite, j'ai pris des petits chocolats comme ça à mes enfants chez Dolo. Là, je sais que c'est pas les meilleurs chocolats, mais voilà. J'ai pris ces barrettes-là à ma fille. Checkez ça, comment elles sont belles. Et voilà. J'ai pris des petits collants aussi. Ensuite, j'ai pris des petits sacs parce que je fais des surprises aux amis de la garderie. Ils sont juste 5 là. Et je sais que ça va faire plaisir à Clara d'emmener ça. Puis c'est pas des si grosses surprises. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment. Je fais ça à Noël, à Saint-Valentin. Non, je pense qu'à Noël, j'en ai... Ah oui, j'en ai fait des petites surprises à Noël. Clara, elle avait amené ses petites surprises à ses amis, puis elle était vraiment contente d'emmener ça. Fait que j'ai pris des petits sacs comme ça. J'ai pris un son à mon fils et un son à Clara. Ils adorent ça. J'ai pris 3 petits bacs. Aïe! Voyons! J'ai pris 3 petits bacs comme ça. Vous allez voir ce que je vais faire avec. Dans le fond, je vais mettre les affaires, là, mes enfants de Saint-Valentin, puis j'en ai pris un à mon chum aussi, là, je vais y faire une petite boire. J'ai pris, cette doudou-là. Mais c'est pas moi, c'est parce que j'ai un shower. Bientôt. Et j'ai vu cette doudou-là, puis pour vrai, elle est trop belle. C'est chez Dolorama, là, mais pour vrai, il y a vraiment des belles affaires chez Dolo, là. Fait qu'une doudou de même, ma fille... Et mon petit gars, ils en ont une chacune du Dolo comme ça, puis c'était leur préféré quand ils étaient bébés. Puis j'ai pris des petites serviettes aussi comme ça. C'est pour le shower. Fait que ça. Bon, les affaires de Saint-Valentin, je vais les en mettre là-dedans, puis je vais faire les petits sacs ce soir ou cet après-midi ou je sais pas quand. Je vais vous les montrer. Comme ça, les petits gants, je vais les laisser sortis. Je vais juste mettre les affaires de Saint-Valentin là-dedans. Tiens, les petits gants, je vais les laisser sortis. Ensuite, on est rendu chez Walmart. Attachez votre sucre, les amis. Il y a beaucoup de choses. Bon. C'était juste ma bosse. Ben, c'était juste. Bref. Ah, oh, c'est Anna, c'est pas beaucoup éclairé. Bon, prochain vlog, je vais essayer de trouver une meilleure place. Bon, ok, ça, je vais mettre ça à faire. Ok. J'ai pris un petit toutou comme ça à. Un des amis de la garderie qui sont plus jeunes, là, ils ont 1 an et demi, 2 ans, puis il y en a un qui a 7 mois. Fait que je leur en ai pris un chaque, fait un à Jasmin et les autres à ses amis de son âge. Ben, il y en a un qui a l'âge à Jasmin, puis il y en a un autre qui a 7 mois, fait que je leur ai pris, voyons, un toutou chaque comme ça, ils sont vraiment beaux. Je les trouve vraiment beaux. Ils étaient juste 3 piastres. J'ai pris ça à mon chum, il adore. J'ai pris ça à mon chum. Il adore aussi. Vous allez voir que sa boîte, ça va être juste des cochonneries. J'ai pris ça à mon neveu. Ah, oh, on voit pas. En tout cas, ça. À mon neveu. J'ai pris ça aussi. Ce petit ours-là, là. Le petit gonfle. Fait que je montrerai mes décorations. Allez me suivre sur Instagram. Si je fais aucun vlog, au moins je vais vous montrer sur Instagram. J'ai pris des ballons aussi rouges. Fait comme ça, je vais mettre des ballons dans la maison. Ça va faire festif. J'ai trouvé des petites lunettes. Je mets ça dans les sacs des enfants de la garderie. Ensuite, j'ai pris un méga sac de mini-ex comme ça. Parce que je pense que c'est nos chocolats préférés à la maison. Là. Les enfants aussi.
J'ai pris des petits sacs de momo comme ça à mon chum. Sûrement un à mon neveu aussi. Je sais pas où l'autre, mais en tout cas, t'inquiète pas. J'ai pris des petits jeux comme ça, là. Les enfants vont avoir du plaisir avec ça. C'est pas cher, là. C'était 3$, là, puis il y en a plusieurs dedans, là. Les lunettes aussi, c'était 3$, puis il y en a plein. L'autre sac de momo que je vous parlais. Ensuite, j'ai pris des Ring Pop. Ça, ça va être pour les plus vieux à la garderie. Je vais en garder un à Jasmine aussi. J'ai pris des chocolats sans arachide. Sans... Ah oui, c'est sans arachide, ok. Parce que le petit bébé de 7 mois à la garderie, il a des grosses allergies. Fait que si jamais les autres enfants mangent du chocolat à la garderie, eh bien, je veux pas qu'elle ait réaction allergique. Fait que le bébé de 7 mois, c'est pas ça qu'il va avoir, là, du chocolat. Là. Mais c'est ça parce que je voulais être sécuritaire. Fait que j'ai pris des aéros et des Smarties. J'ai pris une méga boîte de biscuits comme ça, mon chum. Il aime vraiment ça, manger ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que tu sais, il va avoir... avec des chocolats dans sa boîte, puis ça, c'est pas grand chose, mais c'est de bon cœur. J'ai aussi pris du jus d'orange, j'ai repris des yop à mes enfants. Bon, j'ai plus de place, fait que là, ce que je vais faire, je vais mettre les affaires de Saint-Valentin là-dedans. Ensuite, je suis allée dans le coin des souliers. Je sais, c'était zéro nécessaire que mon chum me dirait, mais quand même. J'ai trouvé des souliers vraiment rabais. Celui-là était 9$. Fait que ça va être des petits souliers à Clara là, pour cet été. Il y avait ceux-là à 5$. C'est pour la garderie là, qu'elle va pouvoir salir. Là. Bon, attends. Comme ça. C'est parfait. Puis, j'en ai trouvé à ma soeur. Dans le fond, j'ai une soeur qui a 20, je sais pas quoi, là, 23, je pense. Et j'en ai une qui a 11 ans ou 12 ans. Fait que j'ai trouvé des bottes. Puis moi, je les trouvais vraiment là, hallucinantes, OK? Puis, ils étaient seulement 9$. 9$, ça. Seulement 9$. Et ils étaient à la base... je pense qu'il était 35$ à la base, puis il était 9$. Checker cette merveille. Ah, oh, la caméra rend vraiment... Ah, oh, on voit un peu. Checker ça. Ils sont malades. En avoir eu de la ma grandeur, là, j'en aurais pris. Ils sont comme or, argent. Tu sais, ça dépend du bord que tu aimais. Ça dépend du soleil. Ils sont vraiment beaux. Fait que j'ai acheté ça à ma soeur. Et, c'est ça, comme je vous ai dit, il y a un shower à une de mes amies qui s'en vient. Fait que j'ai fait des petites trouvailles chez Walmart. J'ai pris un petit pyjama dans le 0-3 mois comme ça. J'ai pris un petit chandail comme ça, il est en rabais, là, à 6$. Puis c'est bien pratique. J'ai pris ce petit pyjama là. Il est vraiment beau! Puis j'ai pris ces cache-couches là. Ils sont beaux. Fait qu'il y en a un fleuri de même. Il y en a un avec des oiseaux. Puis un fleuri de même. Je l'ai trouvé vraiment beau. Avoir une petite fille. Ben avoir une petite fille. Je sais pas le sexe de mon bébé encore là. Mais si j'ai une fille. C'est le genre de morceau que j'achèterais. Bon. Et j'ai une amie qui vient d'avoir un petit bébé, puis je voulais faire une petite surprise. Fait que j'ai trouvé ça. Il va falloir que je retourne au magasin parce que je vais trouver une autre petite affaire. Et elle a un petit garçon aussi de l'âge à Jasmin. Puis j'aimerais ça lui donner une petite surprise aussi. Fait que j'ai trouvé ça.
elle a eu un petit garçon. Oh, je le trouve magnifique. Magnifique. J'ai failli me le prendre. Parce que ça fait unisexe, là. J'ai failli me le prendre. Mais je sais pas pourquoi je me l'ai pas pris, finalement. Imaginez mon petit bébé, là, qui s'en vient là-dedans. Je pense que j'allais me le rechercher pour moi. Mais ça va être pour mon ami. Mais il faut que je retourne au magasin. Je vais aller chez Clément aller chercher deux, trois petits trucs. Bon, fait que ça... Fait que là, les achats pour le shower, ça s'en vient. Mais moi, vous savez que je suis à l'extrême. Fait que j'aime ça. J'aime ça donner. Bon, ben c'est ça pour mes achats, les amigos. Fait que je vais vous montrer. Voyons. Ce que j'ai reçu maintenant. Je fais juste de la place. Bon. J'ai reçu ce colis-là. Ça vient de l'aubainerie. Il y avait des méchants bons rabais. Il y avait des méchants bons rabais, puis j'en ai profité. Je vous montre ça. Bon. Oh, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je me souvenais pas que j'avais acheté plein de choses de même. C'est plein de choses pour mes enfants. Je pense que j'ai rien pris pour moi. Bref. J'ai pris les jeans à Clara. C'est des 5 ans. Puis il est en rabais, mais je ne sais pas. Tu sais, c'est écrit 25$, mais il est en rabais. Je n'ai pas les vrais prix, là, je crois. As-tu les vrais prix? Ah, il y a la facture. Non, c'est pas écrit les prix. Ben, gars. Pas grave. Allez voir ce site de la Benry, il y a des bons rabais, à moins qu'il soit fini. Bref. Fait que ces beaux jeans-là, à Clara, c'est des 5 ans, étaient dus. Ah, j'ai pris ces doudous-là. Et c'est pour le shower encore. C'est des doudous, tu sais, que tu veux à l'hôpital. Ah, en tout cas. Les doudous que tu veux à l'hôpital, tu sais, le tissu, là. C'est ce qu'ils ont aussi là-bas à l'hôpital. Là. Il y en a trois. Fait qu'il y en a avec des petits lapins. Une lignée comme ça, puis une genre verte. J'ai trouvé magnifique. Fait que j'ai pris ça à mon ami. Je vais mettre ça là. Ensuite, ça c'est quoi? Ah, c'est un chandail à Clara. C'est écrit « Hey, you look really good! » J'ai pris ça à Clara. Ensuite, j'ai pris une belle petite robe. Je vais l'ouvrir. Ça. Ça va être vraiment beau pour cet été. C'est une 5 ans aussi. Ça sent bien grande, ma fille. Ça sent bien grande. Je mets ça de même. Je vais juste rentrer la robe un peu. Ah, c'est fou pendant que les déneigeurs ils font de la grosse job. Là. Ils sont là depuis genre 9h ce matin, là, puis il est rendu 1h30. Bon. Ensuite, j'ai pris ce chandail-là à Clara. Il est vraiment léger. Elle va être vraiment confo, là, ce printemps ou cet été, là. C'est des journées plus froides. Ensuite, j'ai pris d'autres jeans à Clara. Comme ça, des plus foncés. Le pauvre, elle a fait petit dans les jeans. Peut-être que 5 ans, ça va être un petit peu grand, mais... Ça va y faire probablement là. Bon. Ensuite, j'ai ceux-là, plus pâles. Ça me qui était genre 10$. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais ils sont 25$, mais ils étaient en rabais. Ensuite, j'ai pris.
Ah, ça aussi, c'est pas. C'est pour le shower de mon ami. Fait que j'ai trouvé un petit ensemble comme ça, il était vraiment pas cher. Parce que c'était genre 5$ l'ensemble au lieu de quoi 30$. Puis c'est léger, là. Tu sais, elle va accoucher en fin mai, je pense. Fait que c'est léger, fait que le petit bébé va être vraiment bien là-dedans. Ensuite, j'ai une autre petite robe, là. Celle-là, je peux pas la déballer, là. Mais c'est une petite robe comme ça, là, fleurie de même. Bon, ça, c'est les seules choses que j'ai trouvées à Jasmin, je crois. J'avais, en tout cas pour les petits gars, là, c'est sûrement moi qui est difficile aussi, là, mais j'ai eu de la misère à trouver des affaires pour les petits gars. J'ai pris ces petites shorts-là, sont comme orangées, puis des noirs. Je me suis pris des chandails à moi. J'espère que j'ai pris X large pour qu'ils fassent avec ma bedaine. Ah oh, oui, ils vont faire. Un beau chandail jaune comme ça. Fait que je vais être le soleil du jour quand je vais porter ça. Joke. Joke, pas joke. Bon, puis je m'en suis pris un rose comme ça. Dans le X large pour qu'il fasse plus grand puis qu'il fasse avec ma bedaine cet été. Et cet été, je vais être une grosse fille enrobée en. Pas enrobée, engrossée. That's it, les amis. That's it, comme si c'était pas assez. Je vais tout mettre ça dans l'emballage. Puis je laverai ça. Je laverai ça quand ça va me tenter. Parce que là, ça me tente pas tant. Là, je vais mettre ça avec les affaires de mon ami. Pour son shower. Ça. Et ça. Bon, c'est rangé. Fait que moi, je vous laisse. Je vais faire un petit ménage. Oh, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête depuis mes palpitations, là. Ouh là là. Bref, je vais ramasser un petit peu, puis on va s'en parler un petit peu plus tard. Le lendemain d'hier, je viens de finir mes surprises de la Saint-Valentin. Checker ça le bordel. Tout que je ramasse ça. Et il reste des petits chocolats là, que je vais pouvoir manger avec plaisir. Il me reste des aéros et plein de bords de Smarties. Moi, j'aime ça, des Smarties. J'aime vraiment ça. C'est comme les mini-eggs. J'adore ça. Ouais, j'ai pris ça hier. Fait que je vais en mettre ce soir là, je vais faire je vais placer ça dans la maison là, des petits cœurs comme ça. J'ai ça aussi des ballons rouges. Clara va triper quand elle va se lever demain matin à voir les décos là, elle va triper. Puis j'ai ce petit ourson là aussi que je vais gonfler, fait que ça va être les petits voyons, j'ai mal dans le bras. Ah bon, ouais, tu sais ce qui se passe. Fait que c'est ça, ça va être ça pour les décorations. Parce qu'on s'entend qu'on va garder ça, genre, quelques jours, mais tu sais, comme, c'est ça. bon, je vais vous montrer les petites surprises que j'ai faites de la Saint-Valentin. Ça a l'air d'être gros, mais tu sais, pour vrai, ça a pas coûté cher, là. C'est ça, ça a pas si coûté cher. Fait que voilà, je sais pas pourquoi je me justifie, là. Fait que je monte ça. J'ai fait ça ici. C'est à mon neveu plus vieux un peu. Fait que j'ai pris un lindor comme ça avec des petits oursons. Puis j'ai fait un petit sac avec des petits bonbons là, dedans. Fait que ça, c'est à mon neveu plus vieux. Ça, c'est à Clara, à la garderie. Là, parce que je trouvais ça injuste que les autres aillent une petite surprise, mais qu'elle non. Fait que ça, c'est à Clara. Ça, c'est à un ami de la garderie. T'sais, j'ai des petites lunettes. Un petit jeu de chocolat. Mais tu sais, il y a quoi? Il y a un peu plus. Je pense qu'il est plus vieux que Jasmin un petit peu. Il vient d'avoir son 2 ans, je pense. Fait que, tu sais, j'ai mis du chocolat, mais un petit peu. Là, puis avec son petit toutou.
vu qu'il y a vraiment moins de surprises dans son sac. Ça, c'est à mon autre neveu plus jeune. Après ça, ça c'est à Jasmin à la garderie. Fait que, tu sais, j'ai mis la même chose là, que son ami qui a la même âge à peu près. Là. Fait que j'ai pas mis beaucoup de chocolat, mais c'est bien en masse avec son toutou. Puis ça, c'est pour le petit bébé de 7 mois. Fait que c'est ça. Ça, c'est pour les amis de la garderie. Ça ici, c'est à Clara. Fait que j'ai pris ce toutou-là. Il était vraiment pas cher. Ça, il était quoi? 3$. J'ai pris ça chez Dolo, ça chez Dolo. Ça, dans le fond, c'est pour gratter. Là. Ça, c'est décollant. Des Kinder comme ça. Elle aime vraiment ça. J'ai pris un petit jeu. Comme ça. Des Kinder de même. Un suçon, un autre suçon, des petites barrettes. Puis j'ai mis un autre de même parce qu'il m'en restait. Ensuite, ça, c'est à Jasmin. J'ai mis ce petit toutou-là que je trouvais vraiment cute. Bon, j'ai mis des sous-sons de même, des petits chocolats de même, des petits Smarties, des Kinder de même, des lunettes, puis un affaire à gratter aussi. Là, qu'on va le surveiller, mais il est capable de faire ça. Là. C'est sûr qu'on fait attention, là. C'est pointu, mais on le fait avec. Ça, c'est à mon chum. Il va sûrement chialer comme « Oh, là, je t'avais dit de pas me faire de surprise, mais tu sais, ça me faisait plaisir. » Parce que lui, il m'a fait une surprise. J'ai eu des pyjamas, de la vie en rose. Des beaux petits pyjamas, là. Je sais pas si je peux vous montrer rapido. Ah, ils sont tous pliés, là, mais tu sais, on peut en voir un de même. Tu sais, des petits pyjamas, là, de ce genre-là. Tu sais, rien de sexy, ben, là. Juste pour être bien. Fait que j'ai mis ça, là. Tu sais, il y a vraiment pas grand-chose. J'ai mis des petits bonbons comme ça, deux petits sacs. Des Ferrero Rocher, ils aiment ça. Des petits lindors. Puis j'ai mis une boîte de biscuits comme ça, qu'ils aiment vraiment, là. Est en rabais en plus chez Walmart. Elle était vraiment pas chère. Fait que voilà, c'est ça pour les surprises. Écoutez, moi, je vais mettre fin à ce vlog-ci. Il va être assez long. Avec le haul que j'ai fait hier, on s'entend. C'est assez long. Fait que moi, je vais aller me faire une petite relaxation. J'ai travaillé ce matin. J'ai fait du ménage. J'ai fait mes petites surprises. C'est ça. Ça a été ça mon matin. Là, je pense que j'ai envie d'aller faire une petite relaxation. Ça, c'est à mon frère parce que ça va être en 20 semaines. Je vais gonfler des ballons. Il y a 18 ans. C'est sûr que ça fait un peu. Je sais pas, bébé lala, des ballons, là, mais il va aimer ça, je pourrais le sûr. Puis au pire, ça va être drôle. Il va faire ah, des ballons. Moi, j'aimerais savoir des ballons à ma fête. À ma fête surprise cet été, j'ai eu des ballons et j'étais vraiment très heureuse. Moi, j'étais un petit bébé là-là. Mettez-en des ballons, moi j'aime ça. Fait que voilà, c'est ça qui est ça. Fait que je vous laisse. Un gros merci. Je vais aller au moins à la lumière pour vous parler. Un gros merci d'avoir écouté. Puis on se revoit. Je sais pas quand, mais prochainement dans un autre vlog. Bye! Don't know.